le premier message que je voudrais faire passer aux lecteurs ou aux gens qui s'intéressent aux libertés, c'est plutôt essayer de comprendre ce qui se passe. Quand on regarde les faits, c'est sûr que depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, il y a évidemment un recul non seulement de la liberté, mais des principes fondamentaux. J'en prends quelques exemples au hasard. Les tentatives faites sous les différents états d'urgence pour limiter la liberté de consultation, par exemple des sites terroristes. Comme tout le monde, je n'aime pas les sites terroristes, mais je trouve mieux qu'on puisse les consulter. Et il a fallu pourtant aller plusieurs fois devant le Conseil constitutionnel pour faire censurer les atteintes portées par les gouvernements et les parlements à ce qui est une liberté cognitive, la liberté de s'informer. Je pense que si, dans les années 30, les gens avaient mieux lu Mein Kampf, ils auraient plutôt pu prévoir un peu mieux que ce qu'ils n'ont fait, ce qui risquait d'arriver par la suite. Donc, la liberté de s'informer, par exemple, a été atteinte. Les atteintes, par exemple, des gouvernements au secret des sources, c'est une question de pratique et pas une question de législation en matière journalistique, sont également extrêmement fréquentes. Une des grandes libertés, la liberté de manifester. Parce que le gouvernement avait du mal à maintenir l'ordre dans les rues à l'occasion des gilets jaunes ou d'autres manifestations, au lieu de se doter des moyens de police permettant d'encadrer les manifestations, en réalité, il a préféré créer un système de filtrage individuel des manifestants sur la base de leur dangerosité supposée. Ceci est directement contraire au principe de la liberté de manifester. Puis il y a des choses qui n'ont pas trait à la liberté, mais simplement aux droits fondamentaux. Par exemple, depuis qu'on a créé la rétention de sûreté, il est possible en France d'être détenu après l'expiration de sa peine pour un motif tiré de sa dangerosité sociale supposée. C'est une rupture complète avec les principes qui ont guidé la déclaration des droits et avec les grands principes traditionnels sur lesquels on avait vécu jusqu'ici. Alors, on nous dit, c'est normal, la période est plus dangereuse. C'est vrai que la période est dangereuse, mais toutes les périodes sont dangereuses. Quand la déclaration des droits a été écrite, on ne pouvait pas aller de Paris à Bondy sans escorte armée. Et pourtant, ça n'a pas gêné les constituants, les grands esprits du 18e, de bâtir un système où les droits imprescriptibles de l'homme ne pouvaient pas être atteints par personne. Quand on a créé la constitution de la 5e République, dans cette constitution, il y a le préambule et puis des articles, et il est mentionné que l'autorité judiciaire est la gardienne des libertés publiques, l'autorité judiciaire, c'est-à-dire un juge indépendant du gouvernement. Ce qui s'est passé ces dernières années, à la faveur des états d'urgence, c'est qu'on a dit le juge indépendant du gouvernement, c'est pas bien, on va plutôt confier les atteintes à la liberté à des fonctionnaires agissant aux ordres de l'autorité préfectorale, c'est-à-dire du gouvernement lui-même. Pourquoi ? Parce que c'est dangereux, parce qu'il y a des bombes qui explosent, parce qu'il y a le terrorisme. Mais au moment où l'article dont je parle de la Constitution a été écrit, en 58, on était en pleine guerre d'Algérie, il y avait 10 ou 20 soldats qui mouraient par jour, il y avait des attentats de toutes parts, et Michel Debré, qui a été l'un des auteurs de cet article, qui ne passe pas pour un humaniste bêlant, a pourtant tenu à réaffirmer cette idée que l'autorité judiciaire était la gardienne des libertés publiques. Donc il y a des faits, et puis qu'est-ce qui se passe ? Ce qu'on constate, c'est moins, enfin, à travers les faits, ou en essayant d'interpréter les faits, une espèce d'effacement, de diminution de notre amour des libertés publiques. Et à mon avis, c'est là-dessus qu'il faut s'interroger. Il ne suffit pas de déplorer, il ne suffit pas de s'indigner, ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est là-dessus qu'il faut s'interroger. Et bien précisément, c'est en lien avec ce que vous voulez dire avant, c'est-à-dire sur la nécessité de s'interroger. Quelles sont les raisons de cette évolution ? En réalité, les raisons de cette évolution, les atteintes portées à la liberté, procèdent au fond d'une diminution de l'esprit de la responsabilité civique, d'une diminution de l'esprit de la responsabilité du citoyen, et c'est pour ça que ces deux thèmes doivent être absolument pensés ensemble, liberté et responsabilité. Pourquoi est-ce que les atteintes à la liberté ont lieu ? Il y a plusieurs raisons. La première raison, qui est probablement très générale, c'est que nous avons globalement cessé de croire au salut. D'ailleurs, à ce mélange du salut individuel par l'engagement et du salut politique qui a guidé l'expérience européenne et occidentale depuis pratiquement 2 siècles. En fait, nous sommes relativement désabusés. Nous ne pensons pas que le jeu des libertés va nous permettre de conduire une liberté, d'aboutir à une société meilleure, en termes de justice ou en termes d'efficacité d'ailleurs. Nous ne le pensons plus. Nous avons cessé de croire à ce projet des libertés. C'est quoi profondément le projet des libertés ? Et en quoi va-t-il avec l'idée d'une responsabilité éminente ? Le projet des libertés, c'est de dire que c'est dans la contradiction, dans le jeu des intérêts contraires, dans le jeu des opinions contraires,
Et certaines de ses opinions ou certains de ses intérêts peuvent être désagréables. La liberté a un prix, la liberté entraîne une douleur, celle d'être blessé, révolté par les opinions contraires ou par les atteintes à l'ordre public, par exemple. Toute notre idée occidentale, c'est au fond que c'est dans ce jeu incessant des contradictions que se forme le progrès. Ceci, évidemment, suppose une espèce d'optimisme quant à la capacité de voir naître un progrès du jeu des contradictions, et cet optimisme est en train de nous lâcher, on est en train de le perdre. Et c'est la raison pour laquelle, au fond, l'appel à la responsabilité individuelle me paraît quelque chose d'absolument fondamental. Il y a une deuxième raison qui est plus délicate. Quand on pense les atteintes à la liberté, on le pense souvent comme le font les grands auteurs qui s'intéressent aux libertés publiques. C'est-à-dire, globalement, nous voyons un citoyen innocent et un État coupable. Comme si nous étions bons et que l'État, mauvais par nature, soucieux d'efficacité, soucieux de rassurer, ne cessait de présenter des dispositifs permettant d'assurer la paix civile, fût-ce au détriment de nos propres libertés. Je crois que cette vision est complètement dépassée. Paradoxalement, je crois que, en matière d'atteinte aux libertés, il faut s'interroger autant sur la demande de sécurité et d'atteinte aux libertés de la part des citoyens, sur cette abdication de leurs responsabilités propres. C'est très frappant, on en parlera peut-être en matière de crise sanitaire. Quand on regarde des sondages, j'ai l'impression qu'une masse de Français, au lieu de trouver les moyens de se protéger eux-mêmes de manière autogérée, si je puis dire, ne cesse de demander au gouvernement de prendre des nouveaux dispositifs répressifs qui les transforment véritablement en esclaves sanitaires. Ceci montre un défaut de l'esprit de responsabilité individuelle. Donc, si vous voulez, je pense que l'une des questions absolument fondamentales, c'est que nous ne pouvons plus penser les atteintes portées aux libertés publiques comme procédant, comment dire, de l'attitude naturelle d'un État qui souhaiterait nous opprimer. Nous demandons, nous ne cessons de demander de mille manières cette oppression. Et ceci est un... Alors, ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire qu'en fait, les atteintes à la liberté deviennent de plus en plus, paradoxalement, les atteintes d'un État faible. Il est faible dans l'organisation, il a été faible dans l'organisation sanitaire. Comme il a été faible dans l'organisation sanitaire, eh bien, il décide le confinement pour éviter de se voir reprocher des choses. L'État sent confusément qu'il est dépassé par une société de plus en plus atomisée, de plus en plus violente, et c'est parce qu'il est dépassé, parce qu'il est peu capable de se réformer, parce qu'il ne sert plus un projet politique clairement identifié, qu'au fond, il se revanche en quelque sorte sur les libertés de tous, parce qu'il ne parvient pas à limiter les actions mal avisées de quelques-uns. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. J'ajoute quelque chose d'un peu particulier, qui est l'augmentation de l'intolérance générale. Et ceci est très vrai en matière de liberté d'expression. Globalement, tout se passe comme si nous étions sortis de la société du projet des libertés publiques qui suppose la responsabilité individuelle et collective pour entrer dans une simple société des droits où chacun revendiquerait un droit individuel ou un droit communautaire sur l'ensemble de l'espace social. Cette situation place l'État en arbitre des différentes communautés qui composent une société politique qui progressivement cesse d'exister sur la base de citoyens indépendant et responsable, une sorte d'arbitre protecteur qui distribue la louange et le blâme, de temps en temps protège un tel, de temps en temps protège quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. La répression, par exemple la loi Avia sur les discours de haine, est tout à fait caractéristique. C'est très mal, les discours de haine, naturellement. Ça n'est pas bien. Mais néanmoins, les discours de haine, la haine relève du fort intérieur. La haine en elle-même n'est pas susceptible d'aboutir à une mesure de censure ou une incrimination pénale, sauf lorsqu'il s'agit d'appel au meurtre, naturellement. Mais la haine en elle-même peut être une bonne chose. Par exemple, la République s'est fondée sur la haine des tyrans. Il est tout à fait possible de haïr le nazisme. Quand on réprime les discours de haine, la question est de savoir qui va définir la haine. Et si c'est le gouvernement qui définit la haine, comme le gouvernement n'a pas suffisamment de force en lui-même, il va être conduit à définir la haine en fonction de ce que chaque communauté blessée appelle la haine à son endroit. Et donc on va aboutir à une extraordinaire circulation de la répression et du blâme entre les différentes communautés composant une société politique qui disparaît sous l'égide d'un État de plus en plus intrusif. On voit bien comment tout ça manifeste à la fin la disparition de notre idéal du citoyen responsable.
Et c'est quoi un citoyen responsable? C'est un citoyen qui se sent responsable de l'ensemble de la société politique. C'est un citoyen qui considérerait que la liberté d'autrui, comme disait Bernanos, lui est aussi indispensable que la sienne propre. Et c'est pour ça que le thème que vous traitez est un thème qui m'apparaît absolument fondamental à une époque où, en réalité, les libertés et la responsabilité du citoyen me paraissent progressivement s'éroder ensemble. Alors là, il y a plusieurs choses. La question n'est pas simplement la délégation de pouvoir aux scientifiques. Je pense qu'il y a eu d'extraordinaires maladresses de langage. Je me souviens d'un ministre de la Santé, je crois que le ministre de la Santé actuel, qui a eu cette phrase, à mon avis, surprenante. Alors c'est peut-être parce que je suis un littérateur, j'attache énormément d'importance aux phrases lorsqu'elles sont dites. Et cette phrase était, s'agissant du personnel politique, il se décrivait lui-même comme une partie du personnel politique, « Si vous ne nous faites pas confiance, faites confiance aux blouses blanches ». Ceci signe pour moi l'abdication pure et simple de la démocratie politique. Pourquoi? Parce que les scientifiques, d'abord, sont guidés par un principe de précaution, de preuve, de discussion, qui les rend assez peu à même de présenter des solutions au personnel politique qui, lui, obéit à d'autres motivations et à juste titre et doit répondre à des angoisses et à des inquiétudes d'une autre nature. Donc il y a une question de méthode. La méthode scientifique est par essence très incompatible avec le tempo de l'action politique. Il y a une deuxième raison qui me paraît encore plus fondamentale, c'est que les scientifiques, lorsqu'il s'agit de santé publique par exemple, n'ont en charge que la santé publique. Or le problème qui s'est trouvé posé au moment de la crise sanitaire était un problème d'arbitrage. C'est un problème d'arbitrage entre les nécessités de la santé publique et d'autres nécessités. On peut admettre qu'en matière de santé publique, il soit nécessaire de réaliser un confinement intégral. Les scientifiques peuvent venir, nous, pour préserver les êtres vivants que sont les personnes, il nous faut un confinement intégral. On est fondé à leur répondre que sur le plan philosophique, nous ne sommes pas simplement une collection de cellules, mais des gens qui doivent se rencontrer, penser, interagir, rendre compte à leurs aînés lorsqu'ils sont en train de mourir, rendre visite à leurs aînés lorsqu'ils sont en train de mourir, se rendre dans les bibliothèques aussi bien qu'au carrefour du coin, parce que la lecture et la pensée sont aussi nécessaires à l'homme qu'autre chose. Donc la première réponse est de dire, d'abord, le scientifique par nature a une conception de la personne qui consiste à la maintenir en vie, mais non pas à la faire exister en tant que personne totale. Donc ça, c'est le premier élément. Il y a un premier arbitrage. Puis il y en a un deuxième qui n'est pas un arbitrage philosophique, qui est un arbitrage politique. Et la question qui se trouvait posée était celle de mesurer les conséquences du confinement intégral en termes économiques, par exemple, ou en termes sociaux. Il suffit de voir maintenant les résultats pour se rendre compte, c'est mon sentiment, parce que j'ai longtemps enseigné, donc je vois les choses un peu de ce côté-là, comment le confinement, le travail à distance, les cours par Zoom, en réalité, défavorisent, par exemple, massivement les élèves issus de milieux modestes, à la fois sur le plan des conditions de travail chez eux, et puis sur le fait qu'ils ne peuvent plus, d'une certaine manière, en interagissant avec les camarades ou les professeurs, se former, les exemples, les identifications, les réflexions qui leur permettront de progresser. Et ceci pèse surtout sur les élèves, par exemple, dont les milieux sont les plus défavorisés. C'est une question à prendre en compte, tout comme la question de l'effet d'un confinement intégral sur l'état général de l'économie. Il ne relève pas d'un conseil scientifique de prendre en compte ces choses. Et donc la vraie question est celle de l'arbitrage. Toute politique est une question d'arbitrage, à la fin, dans une société non totalitaire. Et ce qui m'a frappé, donc ça n'est pas seulement que le gouvernement paraisse, parce qu'il ne l'a pas entièrement fait non plus. Il est clair que quand nous sommes sortis du confinement par l'effet d'une décision politique dont je n'ai pas eu l'impression qu'elle rencontrait l'assentiment de la totalité des épidémiologistes, par exemple. Donc je ne peux pas dire que le gouvernement a suivi les scientifiques de manière radicale. Néanmoins, ce qui m'est apparu fâcheux, c'est qu'il donne l'impression de les suivre. Et pourquoi est-ce qu'il a donné l'impression de les suivre? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut mentionner parce que c'est très très peu souvent dit. Il a donné l'impression de les suivre parce que notre système constitutionnel s'est avéré déficient à l'épreuve de la pandémie. Alors, il s'est avéré déficient dans les principes, d'ailleurs, parce que je relève quand même comme un symptôme inquiétant le fait qu'à chaque fois que quelque chose nous menace, que ce soit le terrorisme ou la pandémie, nous prétendons immédiatement écarter le droit normal pour avoir recours à un droit d'urgence de type exceptionnel.
Ce qui n'est pas toujours indiqué, et c'est ce qui nous doit nous poser la question de savoir si notre état normal n'est pas en train de devenir, compte tenu des différentes menaces qui pèsent sur nous au fil du temps, un véritable état d'exception. Et ceci serait tout à fait contraire à ce que nous avons voulu faire depuis le XVIIIe siècle. Ça, c'est la première chose. Au-delà même de cette idée de la prééminence des états d'urgence, il y a le fait que globalement, on ne va pas faire du droit constitutionnel jusqu'à plus soif, mais nous sommes rentrés dans un système républicain qui s'est éloigné très fortement de la démocratie représentative. Pierre Manante le dit avec une grande clarté. Nous avons un quinquennat de 5 ans, dans lequel il n'existe aucune élection intermédiaire, dans lequel les contre-pouvoirs sont à peu près réduits à néant. Le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, en réalité, sait qu'il devra sa réélection à la réélection du président de la République, ce qui le met dans la situation, au fond, de fronder ou de suivre de manière godillotesque, ce qui ne se prête à aucun débat constructif, ce qui fait qu'en réalité, cette délibération, et on touche là à l'essence de la démocratie représentative, cette délibération par laquelle les pouvoirs publics, au sens large, ont décidé telle voie ou telle autre, de rentrer dans un confinement intégral ou d'en sortir à telle date, cette délibération qui a sans doute eu lieu en Conseil de défense, en Conseil des ministres ou que sais-je encore, nous n'en avons pas été les témoins. Je ne suis pas un partisan de la démocratie directe. Je pense que pour que la démocratie représentative fonctionne, il faut que nous soyons les témoins des décisions qui sont prises en notre nom. Et nous ne l'avons pas été. Et pour couronner le tout, la justice constitutionnelle s'est mise en vacances en expliquant qu'elle n'allait pas examiner les questions prioritaires de constitutionnalité relatives à l'état d'urgence sanitaire. Donc en réalité, ça veut dire que nous sommes rentrés dans une sorte de république bolivienne où, au fond, nous cessons absolument d'être les acteurs et même, au minimum, les spectateurs des délibérations publiques qui sont prises en notre nom. Et ceci me paraît beaucoup plus grave et beaucoup plus profond que la simple idée de la soumission à un conseil scientifique. Alors, si vous voulez, c'est certainement le rôle de l'État de prendre des décisions en matière de pandémie, et cette pandémie est extrêmement grave. Au fond, il n'y a rien là de choquant. Il existe ce qu'on appelle en droit public français l'ordre public sanitaire. Et il est évident qu'il fallait prendre les mesures. Maintenant, et qu'il fallait prendre des mesures d'urgence. Encore une fois, il faut les prendre. Je préférerais qu'elles soient discutées, qu'elles donnent lieu à un véritable débat et qu'elles ne donnent pas cette impression aléatoire et soustraite à toute délibération. Ensuite, le deuxième point que je voudrais mentionner là-dessus, c'est que certes, il est revenu en première ligne, il est très longtemps revenu en première ligne de manière contradictoire. Les masques ne sont pas utiles, de toute façon, on ne saura pas comment les mettre. On a vu des collectivités publiques se battre sur des tarmacs avec des représentants de l'État pour acheter des cargaisons de masques. Enfin, si vous voulez, il y a eu globalement une sorte de... je ne voudrais pas être excessivement polémique, mais de jouissance répressive manifesté par l'affichage par le ministre de l'Intérieur du nombre de contraventions affichées par jour, les contrôles d'attestation, quelque chose d'absolument, de tout à fait excessif. Il m'est arrivé récemment de prendre le train, avant d'être confiné chez moi, il m'est arrivé de prendre le train pour revenir de Strasbourg. Alors, je l'ai pris à l'aller pour aller à Strasbourg, c'était la SNCF. Ouais, bon, on m'a expliqué 3 ou 4 fois pendant le trajet que les bagages abandonnés seraient détruits, qu'il fallait porter le masque en toutes circonstances, avec un ton infantilisant extrêmement désagréable. Au retour, j'ai pris un train qui venait de Stuttgart, de la Deutsche Bahn, et où, paradoxalement, alors qu'on prête aux Allemands l'amour de l'ordre, je n'ai pas été soumis à une telle propagande anxiogène pendant les 4 heures qu'ont duré le trajet, si vous voulez, alors qu'il s'agit de pays comparables, et ainsi de suite. Donc il y a eu... L'État a fait ce qu'il devait en matière d'ordre public sanitaire, il l'a fait dans le discours de manière contradictoire et il l'a fait en donnant une impression d'infantilisation qui me semble tout à fait fâcheuse. Ça, c'est l'État au sens de l'État qui prend des décisions. Et puis après, il y a l'autre fraction de l'État, il y a les services publics. Et les services publics, eh bien, il faudrait y regarder un peu plus en détail s'agissant de l'adaptation de l'éducation nationale,
de l'adaptation de la justice. Je prends à dessein la justice et l'éducation nationale parce que ce sont deux choses qui ont trait à des valeurs qui intéressent à juste titre énormément les Français. Et je n'ai pas le sentiment, pour avoir été l'usager de l'un et de l'autre, que sur ces deux terrains, le monde public ait été absolument exemplaire. Alors il y a évidemment des enseignants, des magistrats qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais quand on parle de ce qu'en droit on appelle l'organisation générale du service, et ceci peut valoir également pour la Poste, je n'ai pas le sentiment que, si vous voulez, un État par ailleurs extrêmement prompt à sermonner et à punir, ait fait tout à fait ce qu'il fallait dans la sphère de ses intérêts propres. Oui, l'homme est responsable. Ce qui me frappe dans cette problématique d'insécurité, d'incivilité, je crois qu'il faut en prendre une vision plus générale et, si vous voulez, ne pas rentrer dans la querelle de chiffres. On sait que la plupart de ces chiffres sont faux dans la mesure où, en réalité, les autorités de police et les agents administratifs chargés de la répression voient leurs résultats mesurés en fonction du résultat statistique. Enfin, je veux dire, tous les observateurs savent qu'il faut prendre avec énormément de précautions les statistiques de la récidive, les statistiques de la délinquance, les statistiques des violences aux personnes. Mon problème n'est pas tellement celui-là. Je crois qu'il faut davantage s'attacher et s'interroger sur ce qui fait que les incivilités nous sont devenues insupportables. Je pense que c'est en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure sur la disparition de notre espoir dans un salut collectif par une société de progrès. Au fond, il existe dans toute société, comme dans toute personne, une quantité de mal qui est probablement indestructible, car nous ne sommes pas des anges et qui voudraient faire l'ange, comme dit l'autre, etc. etc. Bon. Il existe une quantité de mal probablement indestructible. Tant que nous pensions que nous pouvions traiter le mal, soit option religieuse par la conversion intérieure et la pénitence, soit option politique, plutôt progressiste, par le traitement des causes du mal, par le progrès vers plus de représentation, plus de justice sociale, plus d'intégration sociale, eh bien au fond, certes il y avait le mal, mais nous n'avions pas perdu l'espoir, d'une certaine manière, de construire une société civilisée malgré le mal. Comme nous semblons avoir perdu cet espoir progressiste, si je puis dire, le mal nous devient insupportable. Et comme le mal nous devient insupportable, il fait l'objet de paroles et de discours incroyablement violents, comme si nous voulions, à toute force, nous en séparer radicalement, alors que c'est impossible. Il y a plusieurs exemples à ça. Quand on parle de l'ensauvagement, c'est tout à fait caractéristique, puisque, en réalité, ça veut réduire les auteurs du mal à leur condition d'être non civilisés, des sauvages. Non, ce sont simplement des civilisés qui font le mal. Et comme disait l'autre, l'un des indices très sûrs de la barbarie, c'est de voir des barbares partout. Et le mot d'ensauvagement, pour moi, par exemple, répond exactement à cette caractéristique. Mais je pense que les auteurs de ces mots sont assez ignorants des causes profondes qui les déterminent. Les causes profondes qui les déterminent, c'est la conviction intime qu'ils éprouvent probablement qu'ils sont incapables de traiter le problème du mal, qu'ils ne peuvent plus le faire. Il y a un autre exemple qui lui était à mon sens plus grave, puisqu'il dépassait le cadre de la sémantique, qui est la déchéance de nationalité pour les terroristes sous le quinquennat précédent. C'est une idée surréaliste. On ne voit pas comment quelqu'un qui est décidé à se faire sauter le caisson dans un dancing pourrait être prévenu de se faire sauter le caisson parce qu'on lui promettrait ex post de lui retirer son passeport français. Enfin, tout ceci n'a absolument aucun sens. Et de même pour les complices, qui, eux, ne se seraient pas fait sauter le caisson. Quand on a décidé de prendre ces voies extrêmes, on se rend bien compte qu'on les a prises sans considération du papier administratif ou du passeport d'origine. Donc ces idées étaient clairement absurdes. Je ne parle même pas des problèmes qu'elles posaient en matière de droit international ou du caractère absolument impolitique consistant à jeter a priori l'opprobre sur des milliers de Français binationaux qui n'avaient rien à voir avec le terrorisme. Mais peu importe. La question fondamentale, ce qu'a manifesté cette législation, c'est notre désir profond de nous constituer en société de pur, c'est-à-dire en société dont nous aurions exfiltré les éléments du mal. Vous avez commis le mal, vous n'êtes donc plus français. Vous n'êtes donc plus français. Si, les Français commettent le mal, comme les autres. Vous avez commis le mal, donc vous n'êtes plus des hommes, vous êtes des sauvages. Si vous voulez, l'exfiltration forcée des éléments du mal
est quelque chose qu'on voit se produire dans le discours et dans les actes normatifs depuis une dizaine ou une vingtaine d'années et manifeste une incroyable perte de confiance dans nous-mêmes. Et ça, je ne crois pas que nous en viendrons facilement à bout, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose à quoi il faut réfléchir. Ben, si vous voulez, moi, je pense que, globalement, si nous continuons de suivre cette pente, ça va très mal se passer. Depuis 20 ans, le terrorisme ou la pandémie sont à chaque fois l'occasion de la réduction des libertés publiques et individuelles et des droits fondamentaux de la personne. Elles s'inscrivent dans un mouvement d'ailleurs très profond et qui est absolument nouveau, qui est insuffisamment relevé. La logique de la déclaration des droits, c'est de dire que le système politique est légitime parce qu'il garantit les droits imprescriptibles et naturels de l'homme. Que s'il cesse de les garantir, il n'est plus légitime. Ils sont donc, les libertés publiques, les droits de la personne, sont donc au centre de notre construction démocratique. Puis, comme ensuite il faut bien des forces de répression, comme il faut juger les délits et les crimes, comme il faut emprisonner les malfaisants, comme il faut prévenir les atteintes à l'ordre public, eh bien on déploie toutes sortes de dispositifs, mais dont le but est de préserver le cœur agissant de notre démocratie, qui est le système des libertés publiques. Nous sommes rentrés depuis une vingtaine d'années dans un système qui fonctionne à l'inverse, et où la garantie des droits est proportionnée à la capacité de l'État à les mettre en œuvre, ce qui est tout à fait nouveau. Ce qui met entièrement les droits à la discrétion de l'État. Je vous donne un exemple pour être concret. Le problème de la liberté de manifester. Il y a des gens qui pètent les abribus à coups de boules de pétanque et qui dévastent les centres-villes. Ça n'est pas bien. La solution est de dire on ne peut pas réduire la liberté de manifester parce que c'est un droit imprescriptible et naturel de l'homme. Mais comme cette liberté de manifester n'est pas une liberté de dévaster, alors on va augmenter le nombre de forces de police, on va réformer leur mode d'intervention, etc., etc. Mais comme on ne peut pas le faire parce qu'on a détruit un nombre de forces de police chargées du maintien de l'ordre au cours des quinquennats précédents, comme on ne peut pas le faire, et comme nous sommes affrontés à ces dévastations, bah, qu'est-ce qu'on fait? On limite la liberté de manifester. Ça veut dire que nous avons proportionné les droits qui fondaient la légitimité de l'État à la capacité de l'État à les mettre en œuvre. Et ça, c'est un mouvement qui est à l'œuvre absolument partout depuis une dizaine ou une vingtaine d'années et qui est un mouvement extrêmement... dangereux. Vous observerez que, en disant ça, et c'est pour répondre à votre question, je ne tiens pas un discours anarchiste consistant à dire qu'il est normal de dévaster les centres-villes parce que la liberté de manifester est inaltérable et imprescriptible. J'attire simplement l'attention sur le fait que ce que nous devons demander à l'État, et au besoin, par le contrôle parlementaire, par le contrôle démocratique, lorsque nous votons, ce que nous devons demander à l'État, c'est une efficacité supérieure dans sa propre organisation, qui ne le conduise pas parce qu'il est dérouté ou dépassé à mettre à mal nos libertés fondamentales. Donc il y a un état d'esprit qu'il faut transformer. Une fois qu'on est averti de ça, il y a certainement des choses à faire et qui sont minimales, qui est cesser de se laisser glisser sur une pente où on pense qu'en matière d'atteinte, enfin, d'antiterrorisme, par exemple, la magistrature dûment formée serait moins compétente que les sous-préfets pour perquisitionner ou assigner à résidence. Je m'exprime en termes très, très généraux, mais si vous voulez, il y a une tendance à négliger le juge judiciaire gardien des libertés individuelles, à laquelle il faut simplement mettre un terme. D'ailleurs, j'observe que la plupart des tentatives faites en ce sens depuis 10 ou 20 ans, ce qui me trouble, c'est qu'elles ont été mises en œuvre par le gouvernement et les parlements, droite et gauche confondus, et qu'à la fin, le Conseil constitutionnel, auquel il faut rendre hommage, en a censuré un très grand nombre. Mais mon problème, c'est que nous soyons une démocratie à ce point perturbée qu'il faille attendre la fin du processus pour que 9 sages nommés par personne viennent dire « Écoutez les gars, vous êtes en train de vous éloigner totalement des principes ». Ceci est un symptôme, si vous voulez, de déclin et de décadence de l'esprit de liberté dans les corps politiques, qui est tout à fait caractéristique. Donc, je pense d'abord qu'on peut s'abstenir, globalement, de faire ce que le Conseil constitutionnel censure à chaque fois. Je vous donne un exemple récent qui m'a frappé. Le Conseil constitutionnel a censuré à plusieurs reprises le délit de consultation des sites terroristes. Alors, les forces de la répression, les parquets notamment, n'étant pas du tout contents, ont exigé du gouvernement et du Parlement, et l'ont obtenu, une nouvelle disposition qui prévoit que quand on consulte un site terroriste, certes, on ne peut pas être poursuivi pénalement parce que le Conseil constitutionnel a dit que c'était impossible, mais enfin, on est accusé de recel d'opinion terroriste. C'est, à proprement parler, se foutre du monde.
Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel l'a censuré comme le énième avatar, le troisième ou le quatrième, de la persistance de l'État dans des comportements contraires à la Déclaration des droits. Donc la première chose qu'il faudrait faire, selon moi, c'est simplement de respecter la jurisprudence du Conseil constitutionnel et, quand il vous dit, pour des raisons fondamentales, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, s'arrêter et passer à un autre sujet. Ce n'est pas les sujets de préoccupation qui manquent. Et puis, à la fin, je pense que, au fond, notre projet des libertés publiques, en ce qu'il suppose la contradiction, le contrôle, etc., en fait, doit trouver une traduction institutionnelle satisfaisante. Et le fait que nous soyons éloignés depuis une dizaine d'années de la démocratie représentative est certainement une très mauvaise chose. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut faire des réformes assez élémentaires que je ne suis pas sûr, dont je ne suis pas sûr qu'elles seront jamais faites, parce que, au fond, la question institutionnelle, les Français ne l'aiment pas, ne la règlent que quand il y a des problèmes extrêmement graves. Mais enfin, j'observe quand même deux, trois choses. Nous sommes le seul pays en Europe qui confond les fonctions de chef d'État et du chef du gouvernement, ce qui est quand même saisissant. Ce qui veut dire que le chef d'État n'est pas vraiment un chef d'État, puisque lorsqu'il agit, il mécontente la moitié des Français. Lorsqu'il n'agit pas, il est qualifié de roi fainéant. Et le chef du gouvernement n'est pas un vrai chef du gouvernement, puisqu'on sait qu'il est responsable devant le chef de l'État et non pas devant sa majorité parlementaire. Donc en fait, nous avons un exécutif qui est à la fois facialement surpuissant et incroyablement faible, concentrant les attentes de la totalité du corps social, et donc à l'issue de chaque quinquennat, voué à être remplacé. Ça n'est pas totalement par hasard qu'avec le système constitutionnel dans lequel on vit, le président Sarkozy n'a pas été réélu, le président Hollande n'a même pas pu se représenter, et je ne suis pas sûr que le président Macron soit en bonne posture. On peut avoir les préférences politiques qu'on veut entre les uns et les autres, il n'en reste pas moins, ce ne sont pas trois personnalités négligeables. Et donc on devrait s'interroger sur un système qui fait qu'un exécutif à la fois faible et surpuissant concentre les attentes populaires, empêche les contre-pouvoirs d'exister et ne permet pas au débat démocratique d'avoir lieu. Alors je pense qu'il y a des réformes assez simples à faire, qui pour l'essentiel consistent à en revenir au système de 58, c'est-à-dire à distinguer les fonctions de chef de l'État et de chef du gouvernement, à transformer profondément le rôle du Parlement qui doit cesser d'être un inlassable empileur de normes pour développer de véritables mécanismes de contrôle et d'évaluation des législations déjà votées, et enfin donner à l'autorité judiciaire une indépendance totale. C'est une des choses qui me trouble le plus depuis, au fond, le confinement. J'ai regretté qu'il ne soit pas publiquement délibéré, vous voyez ce que je veux dire, et j'en ai regretté les formes hystériques de jouissance répressive, assorti d'ailleurs du déluge invraisemblable de commentaires néo-philosophiques ressortissant au développement personnel, genre « Restez chez vous, lisez Saint-Augustin, ça va vous faire le plus grand bien ». Enfin, je veux dire, tout ça m'est apparu totalement surréaliste. M'est apparu d'ailleurs surréaliste parce que, on me posait la question, mais on n'a pas beaucoup parlé, en matière de contre-pouvoir, la disparition à peu près absolue de la presse pendant les deux ou premiers mois du confinement. J'ai eu la surprise d'entendre sur une émission de télévision de grande écoute un ministre questionné par un journaliste, le ministre fâche un peu de la question du journaliste et le journaliste aussitôt fait quatre pas en arrière en disant « mais non, mais ne vous en faites pas, nous sommes ici tous pour rassurer les Français ». D'entendre le représentant d'une presse libre expliquer qu'il est là pour rassurer les gens était pour moi une surprise absolument insaisissable. D'ailleurs, la difficulté à supporter la contradiction, le fait qu'on ait assisté à une opposition absolument saisissante des gouvernementaux et des raoultiens dans une espèce de désert de l'investigation critique a été pour moi une cause de surprise incroyable. Malgré tout ça, j'ai mieux, d'une certaine manière, comme beaucoup de Français, je crois, supporté le confinement qu'un système où on a l'impression où, d'une part, l'autre apparaît véritablement en permanence comme une menace à raison du fait qu'il est masqué, le fait qu'on ne puisse pas voir son visage. Je me souviens avec un sourire triste des propos selon lesquels la République se vit à visage découvert. Bah finalement, il semble que non. Voilà. Alors, quand c'est pour des motifs religieux, ce n'est pas bien, mais quand c'est pour des motifs sanitaires, c'est tout à fait possible. Ceci devrait nous interroger, car à la fin, le résultat est le même. Je veux dire, le résultat dans l'interaction civique est absolument le même. Donc tout ça est assez gênant. Ce qui me paraît encore plus gênant, c'est que le masque et le reste manifestent peut-être
l'exagération d'une société dans laquelle nous étions déjà rentrés. Dans une société du chacun pour soi, une société dans laquelle chacun est chez soi, alors sort avec un masque et ne parle à personne, rentre chez lui et fait venir des choses par voie électronique, et quand il n'est pas content de quelque chose de politique, se met à tweeter comme une bête. Cette impression de monades individuelles là, qui, au fond, n'auraient d'autre choix qu'entre la désertion à l'intérieur de soi et l'indignation périodique. Mais entre l'indignation périodique et la désertion, il y a ce qu'est le citoyen que nous avons rêvé de faire, et je crains fort que ce citoyen ne soit en voie d'effacement, au moins pour le présent immédiat. Il en reste ce que nous devons entretenir, c'est son désir. Je pense que nous devons absolument, et je ne saurais dire comment, et au fond c'est ça qui me rend confiant, nous devons retrouver le sens d'une liberté qui ne soit pas simplement la revendication d'un droit individuel, c'est-à-dire le sens de la liberté pour autrui. Il y a quelque chose de magique dans le sens de la liberté pour autrui. C'est elle d'ailleurs qui conduit à s'opposer à la censure des œuvres d'art, c'est elle qui conduit à créer, on ne crée pas seulement pour soi-même. Je pense que nous devons retrouver ça. Et puis nous devons aussi retrouver, peut-être parce que malgré la misère sociale, nous sommes malgré tout des pays de l'abondance, nous devons trouver le sentiment de ce qui nous manque. Ce dont parle Éluard dans « Liberté, j'écris ton nom », c'est quelque chose qui nous manque et dont il souffre que ça nous manque. Ça nous manque à cause de l'occupation, comme dans les vers magnifiques d'Aragon sur la cathédrale de Strasbourg, sur l'université de Strasbourg. C'est quelque chose qui nous manque. Ce que nous devrions retrouver, c'est le sentiment aigu de ce manque. Et le sentiment aigu du manque de quelque chose qui ne soit pas seulement un manque individuel solipsiste, mais un manque civique, un manque collectif. Mais je pense, et c'est juste une intuition, je pense que nous le retrouverons parce que, pour employer un mot que je n'aime pas, tout le monde parle d'ADN maintenant, je crois que cette sensation de manque est dans nos gènes. Que ce manque prenne une forme religieuse ou qu'il prenne une forme athée, ce sentiment que quelque chose n'est pas là que nous devrions chercher et que nous ne trouverons ni avec un masque, ni chez nous devant notre ordinateur, que c'est quelque chose de mystérieux et d'insaisissable, je pense que nous l'avons, chacun de nous, au fond de nous. Je pense que c'est celui qui justifie la création, l'aventure, même l'aventure économique, toutes sortes d'aventures, qui soient collectives, qui ne soient pas simplement individuelles. Je pense que nous l'avons ce sentiment, et nous avons le sentiment que quelque chose manque. Je pense que nous traverserons cette période et nous sortirons de cette période en ayant médité et approfondi ce sentiment du manque.